Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse.
Ma vie, oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Oh, Seigneur, ma chérie. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, la grande famille. Shalom à vous, peuple de Dieu, shalom à vous, frères et sœurs, que la paix, l'amour, la faveur de Dieu vous soit accordée ce matin et que vous puissiez marcher dans la nouveauté des vies, dans la nouveauté, alléluia, de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin encore. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 10, il dit ceci, « Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie dans l'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la délivrance, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous sommes couverts d'un manteau du salut, nous sommes couverts d'un vêtement de la délivrance, nous sommes couverts par la bonté de l'Éternel. L'amour de Dieu s'est manifesté encore dans notre vie, l'amour de Dieu s'est manifesté encore afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Le fait que nous avons la vie, le fait que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons trouvé grâce à ses yeux ce matin, nous pouvons simplement bénir le nom du Seigneur. Bénir le nom du Seigneur. Je publierai, alléluia, les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. Je dois les publier parce que je vois son amour, je vois sa bonté. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à vous sur ce temps de prière où nous dévançons l'aurore, où nous cherchons la face de Dieu, où nous recommandons notre journée. Enfin, que notre journée soit une journée excellente, soit une journée merveilleuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par hasard que tu es connecté. C'est l'amour du Père, c'est sa bonté, bien-aimé dans le Seigneur. Le fait que tu sois connecté dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une délivrance, il y a un manteau de gloire, il y a un vêtement, alléluia, du salut qui est en train de se manifester dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu est en train de coudre, Dieu est en train de mettre encore une nouvelle dimension de sa gloire dans ta vie. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, ne baisse pas le bras, ne vois pas que non, c'est fini pour moi. Ah, quand est-ce que je serai ceci? Quand est-ce que Dieu va me répondre? Il te répond déjà, il te parle déjà, il est en train de te dire, tiens ferme, sois dans l'allégresse. Alléluia, réjouis-toi, commence à publier déjà les grâces de l'Éternel, commence déjà à louer, même si tu ne vois rien, commence déjà à mettre la louange dans ta bouche, commence déjà à mettre les cantiques nouveaux dans ta bouche. Lorsque tu mets les cantiques nouveaux dans ta bouche, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre une nouveauté, tu vas vivre un nouveau départ dans ta vie, car Dieu veut que tu puisses marcher selon, alléluia, ses pas, selon, alléluia, son amour, selon sa grandeur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est un menteur. Le diable va t'embrouiller. Le diable va venir pour ramener toujours le mensonge en disant que depuis que tu es en train de prier, depuis que tu es en train de faire des prières du matin, depuis que tu es en train d'être connecté matin, midi et soir, depuis que tu es en train de donner même tes offrandes, tes aumônes, jusqu'à présent, il n'y a rien. Dieu ne te connaît pas. Laisse tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la voix de l'ennemi. C'est la voix de l'ennemi qui vient mettre le doute. C'est la voix de l'ennemi qui vient empêcher l'œuvre de Dieu. Quand tu vois les embûches, les obstacles dans ta route, dans ta marche, sache-le que le meilleur est à venir. Sache-le que Dieu a prévu déjà quelque chose de bien. Oh frères et sœurs, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous devons prendre une autre dimension de compréhension. Nous devons savoir que, oh, je ne suis pas là pour traîner le pied. Je ne suis pas là pour accompagner d'autres personnes. Non. Je suis en train de bénéficier les oracles de l'Éternel. Je suis en train de bénéficier de son amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, frères et sœurs, sois fortifiés. Ne baisse pas le bras. Ne dis pas c'est fini parce que Dieu n'a pas dit encore un mot pour ta vie. Dieu est en train de te dire, tiens bon, tiens courage, car je suis avec toi. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Habacuc, bien-aimé dans le Seigneur, a subi beaucoup de choses, a subi beaucoup de tribulations. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Habacuc, frères et sœurs, il a subi réellement des mépris. Mais écoutez ce que Habacuc a dit. Nous allons lire la parole de Dieu. Habacuc chapitre 3, au verset 17, nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Au verset 18, il va dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force.
il me rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes dans la joie de publier tes louanges, de célébrer ton amour, de glorifier ton nom, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes, Seigneur, cette parole. Merci de ce que tu nous encourages. Merci de ce que tu ouvres, Seigneur, une nouvelle brèche dans notre marche. Louange et honneur à toi. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Le fait que de lire simplement ta parole, nous sommes bénis. De fait, Seigneur de gloire, que d'ouvrir la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. Seigneur de gloire, Père, nous ouvrons, Seigneur de gloire, Père, une nouvelle histoire dans notre vie. Un nouveau pas, une nouvelle page dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Louange à ton nom, Seigneur, parce que ce matin, tu veux faire du bien à mon âme. Tu veux faire du bien à l'âme, Seigneur de gloire, Père, qui est, Seigneur de gloire, connecté ce matin. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Prends l'autorité, Seigneur, dans ce temps, et que ton esprit règne à perpétuité. Le Saint-Esprit sa mesure, et cela dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, nous ouvrons maintenant la porte, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu du renouveau. Nous ouvrons la porte, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu d'un nouveau départ dans notre vie, dans notre marche, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre mental, dans notre parcours, et cela dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, voyez-vous, alléluia, Habakkouk, bien-aimé dans le Seigneur, il était dans les problèmes, il était tourmenté, il était angoissé. Il a constaté la première des choses que le figuier n'a pas donné de fruits. Il a regardé la vigne, il n'a rien fait la vigne. La vigne n'a rien fait. Il a regardé le fruit de l'olivier. Il n'en avait pas parce qu'il voulait manger, parce qu'il voulait vendre. Mais il y avait quoi à vendre? Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout pour pouvoir vendre quelque chose. Et il va maintenant au champ. Il regarde le champ, bien aimé dans le Seigneur. Dans le champ, il n'y en avait rien du tout. Il n'y avait ni la nourriture. Brise sœur, il dit, bon, comment je vais faire? Il va compter sur d'autres personnes. Et la Bible déclare, les brebis disparaîtront du pâturage. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé quoi que ce soit pour vendre même les brebis, pour vendre même quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'a rien trouvé. Dans les étables, il n'y avait rien. Pour peut-être prendre le bœuf, prendre peut-être la viande, il n'y en avait rien. Il dit, mais toutefois, je vais mettre la louange dans ma bouche. Toutefois, je vais mettre l'adoration dans ma bouche. Toutefois, je vais mettre la gloire de Dieu dans ma bouche. Frères et sœurs, Dieu réside dans la louange de son peuple. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Il a commencé à dire, l'Éternel est ma force. Même si aujourd'hui je suis faible, mais je sais que l'Éternel est ma force. L'Éternel me donne la force. Il me rend mes pieds semblables à ceux de biche. C'est-à-dire, il me donne la force de pouvoir sauter les mal, sauter les tentations, sauter les environnements bizarres. Il est en train de me donner la force, pour que je puisse sauter, aller dans les lieux élevés, c'est-à-dire d'aller dans un nouveau départ. Alors, mes bien-aimés,
bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras, ne traîne pas les pieds, ne regarde pas aux événements passés, ne regarde pas ailleurs, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde Jésus-Christ qui est devant toi. Il a dit, porte ta croix et suis-moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, frères et sœurs, nous voulons encore parler à Dieu. Nous voulons encore parler à Dieu, frères et sœurs, pour que nous puissions bénéficier de sa gloire. Romains chapitre 3 au verset 23. La Bible déclare, tous ont péché, oh, sont privés de sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas être privés de sa gloire. Nous voulons pas être privés de sa gloire. Alors tu vas simplement dire à Dieu de te pardonner. De te pardonner parce que tu as douté. Parce que tu as vu simplement, alléluia, le problème devant toi. Parce que tu n'as pas réalisé la parole de Dieu qui peut sortir, alléluia, quelque chose de bien dans ta vie. Alors tu vas demander pardon à Dieu, que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, frères et sœurs, parce que nous marchons tantôt d'une manière, d'une autre, nous trébuchons, frères et sœurs. Alors élevons nos voix, commencez à prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te sommes reconnaissants. C'est vrai, ce matin, Seigneur, nous venons devant toi pour dire, Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, le péché puisse nous empêcher ta main, oh Dieu, dans notre prière. Voilà pourquoi ce matin, nous venons pour dire, Seigneur, toi qui connais, toi qui réalises, Seigneur, oh Dieu, toutes choses, voici donc nos cœurs, Seigneur. Nous voulons pas être privés de ta gloire, de ta main puissante. Car ta parole nous dit, Seigneur, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui empêchent ta main, qui empêchent ta face. Seigneur, ce sont nos péchés qui cachent, Seigneur, de gloire, Père, nos, Seigneur, de gloire, ta face en vis-à-vis de nous. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant toi pour dire, nous voulons être pardonnés, nous voulons être pardonnés. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous pardonnes. Seigneur, lorsque nous regardons, Seigneur, à l'intérieur de nous, nous voyons encore, il y a encore de péchés, il y a encore des lacunes, il y a encore des doutes, il y a encore, Seigneur, oh Dieu, le mensonge, il y a encore, Seigneur, l'hypocrisie, il y a encore, Seigneur, de gloire, de la haine. Oh, nous te prions ce matin, viens nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, toi qui pardonnes mieux. Pardonne-nous ce matin, Seigneur, pour que nous puissions bénéficier de ton amour, de bénéficier de ta bonté, bénéficier de ton pardon divin, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Tendre Père, nous voici devant toi, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous Seigneur, ô Dieu de gloire, toutefois nos caractères n'ont pas été agréables vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi nous disons Seigneur, pardonne-nous encore, dans les noms de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié et nous disons tous Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, nous allons encore demander le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous justifie, ce que le sang de l'agneau nous nettoie, afin que nous puissions bénéficier, alléluia, d'un nouveau départ ce matin. Commence à demander le sang de l'agneau, commence à demander d'être lavé, d'être purifié, d'être sanctifié par le sang de l'agneau. Et que le sang de l'agneau te régénère ce matin pour que tu puisses bénéficier d'un nouveau départ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voici encore devant toi. Alors que Seigneur, nous voulons parcourir, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, un nouveau Seigneur de gloire, une nouvelle marche, nous te prions ce matin de nous laver,
de nous nettoyer corps et âme, esprit, de nous sanctifier ce matin. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos vies ce matin, Seigneur. Oh Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons être lavés par le sang de l'agneau. Nous voulons être purifiés par le sang précieux. Le sang qui nettoie, le sang qui nettoie, le sang qui enlève, le sang qui efface le péché. Comme Jean chapitre 1er au verset 29 nous le dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, Seigneur, nous voulons être lavés. Lave mon corps, lave mon cœur, lave ma vie. Lave-moi ce matin, lave ma maison, lave, Seigneur, mon parcours, lave mon cœur ce matin, efface, nettoie le péché dans mon cœur, par le sang de l'agneau que je sois libre, par le sang de l'agneau que je sois lavé, par le sang de l'agneau que je sois justifié, par le sang de l'agneau que je puisse bénéficier du pardon ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus, je veux être lavé ce matin, je veux être purifié ce matin. Oh, que mes péchés soient maintenant ôtés, que mes péchés soient maintenant, Seigneur, détruits par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau ce matin. Mais voici ce matin, Seigneur, je viens dans ta présence, je viens dans ton amour ce matin. Oh, tendre Père, nous voulons être lavés par le sang de l'agneau. Nous voulons être purifiés par le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave ce matin. Que le sang de l'agneau nous purifie ce matin. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, Seigneur. Car, Seigneur de gloire, nous voulons être, oh Dieu de gloire, sanctifiés ce matin. Viens nous laver, viens nous nettoyer ce matin. Viens nous purifier ce matin. Parce que ta parole, Seigneur, nous le recommande, Seigneur, que nous devons nettoyer nos cœurs, que nous devons nettoyer nos vies, Seigneur. Oh, nous voici devant toi ce matin, selon ta parole, Seigneur, dans Ésaïe chapitre 1er, au verset 16, il nous dit simplement, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Seigneur, oh Dieu, nous voici devant toi ce matin, nous voulons être lavés ce matin, afin que la méchanceté puisse quitter nos cœurs, afin que Seigneur, nous ne pouvons plus, Seigneur, oh Dieu, faire du mal, au nom de Jésus. Oh, le sang de l'agneau, commence à laver mon cœur, commence à laver mon âme, commence à laver ma vie. Oh, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, ce matin, nous venons devant toi pour dire, Seigneur, nous voulons être lavé ce matin. Purifie nos cœurs ce matin afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, afin que nous puissions manifester, oh, un nouveau regard au nom de Jésus. Purifie mon cœur, purifie ma bouche, purifie mon être ce matin. Lave ton église, lave ton peuple ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être agréables à toi ce matin. Nous voulons être purifiés ce matin. Oh, nous voulons faire du bien ce matin. Nous voulons chercher la justice de Dieu. Nous voulons être, Seigneur de gloire, Père des enfants, obéissants ce matin. Il nous faut le sang précieux. Il nous faut le sang sans tache ni ride. Il nous faut le sang qui ôte le péché. Il nous faut le sang qui lave nos cœurs, nos vêtements. Nettoie nos vies ce matin. Nettoie nos vies ce matin. Viens nous nettoyer. Enlève les ordures. Enlève, Seigneur, la méchanceté. Enlève la fatigue. Enlève, Seigneur, oh Dieu, le dégoût, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, de la parole dans nos vies. Se te prions ce matin, viens nous sanctifier et que nous soyons plongés dans le bain du sang précieux de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 9 au verset 22, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Alors nous voulons ce matin d'être nettoyés, d'être sanctifiés, d'être lavés ce matin par le sang qui parle mieux. Par le sang qui pardonne mieux, par le sang qui justifie mieux, par le sang qui nettoie mieux, nettoie nos cœurs, nettoie nos vies ce matin.
Oh, nous voici devant toi. Nous voici devant toi ce matin. Nous disons, Seigneur, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui nettoies mieux. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui nous donnes, Seigneur, une nouvelle opportunité. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que nos cœurs soient maintenant lavés, nos pensées soient lavées, notre conscience soit nettoyée par le sang de l'agneau, car nous voulons être renouvelés par l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Oh, que nous soyons purifiés par le sang de l'agneau, et cela dans les noms de Jésus-Christ, le Seigneur, dans les noms de Jésus-Christ, le Roi, dans les noms de Jésus-Christ, le Fidèle, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna, hosanna, hosanna. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce matin encore, nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la révélation, n'est-ce pas? L'Esprit qui donne l'éclairage dans notre conscience, l'Esprit qui nous donne la force, l'Esprit qui nous révèle, alléluia, l'intelligence et la sagesse. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, de renouveler ta conscience, de renouveler ta sagesse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous voici devant toi ce matin. Alors que nous sommes devant ta présence, Saint-Esprit, nous voulons que ce matin, nous soyons renouvelés par l'intelligence. Oh, renouvelle notre intelligence par ton intelligence. Renouvelle notre force par ta force. Renouvelle notre conscience par ton esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin, car nous voulons être guidés, nous voulons être conduits par toi, nous voulons être capables de toute bonne œuvre, et cela dans les noms de Jésus. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Viens nous guider. Viens nous restaurer ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Nous voulons être capables de toute bonne œuvre. Oui, Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Renouvelle ma bouche. Renouvelle mes paroles. Renouvelle, mon intimité avec toi. Renouvelle ma conscience. Renouvelle en moi, ton esprit. Et cela dans les noms de Jésus. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin, Saint-Esprit, manifeste-toi, Dieu de cieux. Manifeste-toi, Dieu de cieux. Je te prie ce matin, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, nous voici devant toi ce matin. Nous nous livrons à toi ce matin. Nous nous comptons que sur toi, le Saint-Esprit qui domine, le Saint-Esprit qui règne, le Saint-Esprit qui donne la forme dans la vie de l'homme, l'Esprit de vérité. Viens renouveler notre intelligence, viens renouveler notre savoir, viens renouveler notre capacité de l'intelligence. Nous te prions, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Avec toi, nous sommes riches. Avec toi, nous sommes capables. Avec toi, nous sommes éclairés. Avec toi, nous sommes guidés. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, viens mettre ta parole dans notre cœur. Viens mettre ta parole dans notre conscience. Viens écrire une nouvelle histoire. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, dans les noms puissants de Jésus, nous te prions ce matin, écris encore une nouvelle histoire dans notre mémoire. L'Esprit de vérité, toi qui pardonnes, toi qui connais, toi qui vois, toi qui es capable de pouvoir donner
la connaissance, la révélation. Oui, Saint-Esprit, nous te prions ce matin. Renouvelle notre intimité avec Christ. Renouvelle notre force. Renouvelle notre entendement de maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore, alléluia, lire la parole de Dieu. Nous voulons encore prier et que dans cette journée et que dans ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, que tu puisses avoir un nouveau départ. Un nouveau départ là où tu étais tombé, que tu t'élèves ce matin, que tu puisses prendre maintenant, alléluia, la force et que tu puisses avoir la conscience que tu vas marcher, que tu vas vivre la gloire de Dieu, que tu vas vivre le miracle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le paralytique qui était au bord de la piscine, il attendait qu'on puisse le jeter dans la piscine. Mais il n'y avait personne. Mais il était toujours là. Il restait toujours là. Il attendait. Il restait des années, des mois et des mois. Mais il avait toujours la conviction qu'un jour, je serai guéri. Un jour, j'aurai quand même le temps de pouvoir se jeter dans l'eau. Alors, un jour, c'était pas dans l'eau, c'était, alléluia, dans la parole de Christ, dans la parole du Seigneur, pardon, dans la parole du Seigneur, la parole de Christ a été sortie, alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sa vie était changée, dans un clin d'œil, il a commencé à marcher. Il a à tel point qu'il a pris son lit et il commençait à marcher. Jésus-Christ a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, sa vie a été changée ce jour-là. Il commençait à marcher. Lui qui n'arrivait pas à marcher, il commençait à prendre les habitudes, alléluia, c'est-à-dire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de le faire. C'est avant, c'est d'autres personnes qui le mettaient dans le lit. Mais c'était lui-même, il s'est mis debout pour prendre son lit et de le plier et de marcher, frères et sœurs. C'est possible encore pour toi ce matin. C'est possible encore pour ta vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire la parole de Dieu. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. C'est un nouveau départ pour toi ce matin. C'est un nouveau départ pour ta vie ce matin. Un nouveau départ, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as bénéficié d'une nouvelle force ce matin, d'une nouvelle journée ce matin, d'une nouvelle grâce ce matin. Alors une nouvelle force va arriver dans ta vie pour que tu puisses marcher avec conviction, avec détermination, avec dévotion, avec bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé dans le Seigneur, avec force au nom de Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Matthieu chapitre 14. Alléluia, Matthieu chapitre 14, nous allons lire, alléluia, au verset 27 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 14, au verset 27 jusqu'au verset 29. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus, Matthieu chapitre 14, au verset 27 jusqu'au verset 29. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur pour ta situation, n'ayez pas peur pour ta vie, car Jésus-Christ te rassure, c'est lui. C'est lui qui est en train de te parler. C'est lui qui veut te bénir. C'est lui qui veut créer un nouveau départ dans ta vie. Au verset 28, la Bible déclare, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Si c'est toi, Seigneur, alors ordonne.
ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, c'est-à-dire que je puisse marcher sur l'eau. Un nouveau départ. My God. Gloire à Dieu. Au verset 29, et il dit, c'est-à-dire Jésus-Christ, et il dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux marcher, alléluia, dans un nouveau départ. Tu veux marcher, alléluia, dans un environnement, alléluia, nouveau. Frères et sœurs, il faudra que tu puisses enlever la peur. Tu dois enlever la peur dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois enlever la peur dans ta vie, car la peur va empêcher ta marche. Lorsque tu vas marcher, la Bible déclare dans Psaume au verset 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Cela veut dire, quand je marche dans cette nouveauté de marche, je ne dois pas avoir la peur, parce que l'Éternel est avec moi, parce que Dieu a déjà dressé une parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, nous devons faire très attention. Nous devons considérer la parole de Dieu dans notre vie. Et cette parole, ça va faire en sorte que nous puissions avoir du bouclier, que nous puissions avoir de la protection, que nous puissions avoir de l'assurance sur cette parole. Amen. Alors, Pierre va commencer à dire, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi et que je puisse marcher sur l'eau. Parce que Jésus-Christ marchait au préalable sur l'eau. Alléluia. Lorsque ils ont vu, et ils étaient dans la barque, ils ont crié, ils ont cru que c'était un fantôme. Ce n'était pas un fantôme. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ne posez pas des questions. Ne faut pas prendre de mauvaises résolutions. Alléluia. Or, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui marchais, alléluia, sur le sol, mais Dieu a dit ce matin, tu vas marcher sur l'eau, tu vas marcher sur l'eau, tu vas marcher sur le poisson de la mer, tu vas marcher, alléluia, sur ton problème, tu vas marcher sur les difficultés, tu vas marcher ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, oh, alléluia, tu vas marcher contre, Seigneur, sur le célibat, tu vas marcher, frères et sœurs, contre les mauvaises attaques, tu vas être victorieux ce matin. Alléluia. Alors Pierre va demander à Jésus. Waouh, il va demander à Jésus. Alors si c'est toi, je sais que si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui a dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Pour la première fois, Pierre va marcher sur l'eau. Les enfants d'Israël n'ont pas pu marcher sur l'eau. Les enfants d'Israël, il a fallu que Moïse puisse frapper, alléluia, sur l'eau pour que l'eau puisse se séparer en deux. Amen. Et pour qu'ils puissent marcher. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de bâton pour pouvoir séparer l'eau. Non, 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 non. Lui-même, il s'est mis, alléluia, pardon, il s'est mis à marcher, de marcher sur l'eau. Il s'est mis à marcher, de marcher sur l'eau. Il commençait à marcher sur l'eau. Il commençait à marcher sur l'eau à tel point que, et ils avaient peur parce qu'ils étaient dans la barque. Ils croyaient que, c'était un fantôme. Oh non, c'était pas un fantôme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te prendre tel que tu es. Il peut te prendre dans la manière dont tu réfléchis pour te faire comprendre que c'est lui qui a le mot de la fin dans ta vie. Le mot de la puissance dans ta vie. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons tous quitter la barque pour que nous puissions marcher dans la nouveauté, alléluia, de vie. Dans les noms de Jésus. C'est ce que nous allons faire ce matin.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pouvoir marcher. Tu vas pouvoir marcher un nouveau départ. Un nouveau départ. Maintenant, tu dois quitter ton confort. Tu dois quitter, alléluia, oh, ta maison. Tu dois quitter, alléluia, tes habitudes. Tu dois quitter maintenant, mes bien-aimés, ton environnement pour aller dans un autre environnement, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, l'histoire est merveilleuse. Oh, la Bible déclare, alléluia, Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux. Marcha sur les eaux, cela veut dire il a pris la possession, il a pris la domination, il a pris, mes bien-aimés, l'autorité. L'autorité de la parole était sur lui, dans ses pieds, alléluia. Oh, frères et sœurs, c'est pour cela, lorsque nous avons lu Habacuc chapitre 3 au verset 16, la Bible déclare et dit, il rend mes pieds semblables à ceux de bûche. Il me fait marcher dans le lieu élevé. Oh my God. Dans le lieu élevé. Frères et sœurs, ce matin, un nouveau départ commence pour toi. Tu dois marcher dans le lieu élevé au nom puissant de Christ et Jésus de Nazareth. Alors ce matin, nous voulons prier, n'est-ce pas? Nous voulons prier pour cette parole merveilleuse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Quand tu n'as pas peur, tu vas marcher sur l'eau. Quand tu n'as pas peur, tu vas marcher, alléluia, sur toutes choses qui te rongent. Quand tu n'as pas peur, bien-aimé, tu vas marcher, alléluia, contre le célibat. Contre, mes bien-aimés dans le Seigneur, oh, alléluia, la stérilité dans les noms de Jésus, contre le chômage, tu dois pouvoir marcher, bien-aimé dans le Seigneur, contre la maladie, contre les difficultés, contre même oh, la disette, la pauvreté. C'est possible parce que Jésus-Christ a ordonné. Il dit, viens, viens, marche sur l'eau. Et Dieu nous a donné la puissance, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Ayez simplement la foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du lendemain. Car le lendemain, lui-même aura... Alléluia, le soin de ta vie, c'est lui qui prendra soin de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux... Pardon. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur pour cette parole merveilleuse? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu avant que tu puisses demander quoi que ce soit? Remercie le Seigneur pour cette parole parce que le Seigneur veut te sortir de la barque pour que tu puisses aller dans un autre environnement dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, merci Père de ce que tu veux que nous puissions quitter la barque, que nous puissions quitter notre zone de confort pour aller dans un nouveau, alléluia, départ, dans un nouveau environnement. Je te prie Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père, d'être Seigneur de gloire, Père mon Dieu. Louange et honneur à toi ce matin. Je te loue ce matin Seigneur. Je t'adore ce matin. Je te remercie ce matin parce que tu veux que je puisse quitter la zone de confort de ma vie. Tu veux que je puisse changer l'environnement. Tu veux que je puisse aller dans le lieu très élevé. Malébo Sata. Lama Chakaraboshi. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Toi qui parles, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans ta parole. Toi qui parles, Seigneur de gloire, Père, au travers de tes serviteurs. Toi qui parles même, Seigneur de gloire, Père, à Enan, Seigneur de gloire. Toi qui parle, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu, tantôt d'une manière, d'une autre. Louange à ton nom ce matin. Merci parce que tu veux me changer, Seigneur, mon environnement. Et cela dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prier au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, alléluia, rassure-moi. Donne-moi l'assurance dans cette parole de Christ, que je puisse garder la foi dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te rassurer sur cette parole, que tu sois sûr et que l'assurance soit totale dans ta vie, que l'assurance de la parole de Dieu soit
soit engagé dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous manque, nous manquons de l'assurance. Nous manquons de l'assurance. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de te communiquer l'assurance dans ta marche, dans ta foi, dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, ô Saint-Esprit, je te prie ce matin de me rassurer. Rassure-moi ce matin. Mets l'assurance dans mon esprit. Mets l'assurance dans mon cœur. Mets l'assurance dans ma conscience. Mets l'assurance en moi, afin que je puisse garder la foi, afin que je puisse garder cette parole de Christ dans ma vie, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, toi qui peux me rassurer, rassure mon cœur, rassure mes enfants, rassure mes lendemains, rassure, oh, alléluia, ma foi, dans le nom puissant de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, viens me rassurer ce matin, que ma foi ne défaille point, que ma foi ne déploie point ce matin, au nom puissant de Jésus, rassure-moi ce matin, Seigneur, que tu es avec moi, rassure-moi ce matin, Seigneur, par ta parole, mets l'assurance dans mes poumons, mets l'assurance dans ma foi, mets l'assurance dans mon cœur, mets l'assurance dans mon esprit, mets l'assurance dans mes pensées, mets l'assurance au-dedans de mon intellect, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas pouvoir demander au Saint-Esprit d'enlever la peur dans ta vie, effacer la peur dans ta vie, parce qu'un nouveau marche va commencer. Il ne faudra pas que tu puisses avoir la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand il y a la course, mes bien-aimés dans le Seigneur, soit la course de vélo, soit la course de moto, n'importe quelle course, bien-aimés, quand il y a la montagne, quand on regarde avec les yeux physiques, tu as peur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Alors, frères et sœurs, demande au Saint-Esprit d'enlever la peur dans ta vie, parce qu'un nouveau départ va commencer. Tu vas simplement dire: Saint-Esprit, enlève la peur en moi et que je puisse commencer un nouveau départ avec toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le consolateur de notre cœur, le consolateur de notre parcours. Oh oui, Saint-Esprit, je te prie dans le nom de Jésus d'enlever la peur dans ma vie, d'enlever la peur dans ma vie, dans le nom de Jésus, d'enlever, Seigneur, la peur dans mon cœur, d'enlever la peur des mauvaises paroles dans ma vie, dans mes pensées. L'Esprit de Dieu enlève la peur en moi ce matin, et que je puisse avoir la force, et que je puisse avoir de l'assurance en moi. Je te prie dans le nom de Jésus, toute parole de la peur, tout acte, Seigneur, de la peur, soit quitté ma vie, dans le nom de Jésus. Enlève la peur du lendemain. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois vêtir? Qu'est-ce que je dois mettre comme vêtement? Qu'est-ce que je dois faire pour payer la maison? Oui, oh Dieu de gloire, l'Esprit de Dieu commence à enlever la peur, commence à enlever l'angoisse. L'angoisse, pourquoi cette tragédie? Pourquoi cette division? Pourquoi ces querelles? Pourquoi ces problèmes? Oh, que j'enlève, que tu enlèves la peur en moi, que je ne puisse pas poser des questions, pourquoi c'est là, pourquoi ceci. Oh, que je puisse laisser ta volonté dans ma vie s'opérer au nom puissant de Christ Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas pouvoir demander à Dieu d'ordonner ce matin dans ta vie, et que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Dans la nouveauté de vie ce matin, tu vas dire: Seigneur, je veux que tu ordonnes pour ma vie, que je puisse marcher dans les lieux élevés, que je puisse marcher sur les eaux, que je puisse marcher sur les scorpions, que je puisse marcher avec audace, avec puissance, avec détermination, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin d'ordonner ce matin que tu puisses marcher dans la nouveauté de vie, au nom de Jésus? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Oui, mon Père, alors que je viens ce matin, comme le médecin avait dit, comme le Seigneur de gloire, Père, les gens ont dit, comme le Seigneur de gloire, Père, ils ont décrété, ils ont envoyé des ordonnances à mon sujet. Seigneur, je te prie,
Pardon, je te prie ce matin d'ordonner ce matin. Ordonne ce matin, Seigneur, que je puisse avoir la capacité de marcher sur l'eau. Que je puisse avoir la capacité de marcher, oh alléluia, dans un nouveau départ, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les diagnostics de médecins, oh, soient maintenant en échec, que je puisse quitter les zones de confort de ma vie, dans le nom puissant de Jésus, que tu ordonnes ce matin, ordonne que je puisse marcher, ordonne que je puisse marcher dans les lieux élevés ce matin, ordonne ce matin que je puisse, oh, alléluia, oh, vivre maintenant un nouveau départ pour ma vie, un nouveau départ pour ma santé, un nouveau départ au nom puissant de Jésus pour mon avancée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ordonne ce matin, ordonne mon Père, je te prie ce matin d'ordonner ce matin, ordonne à mon esprit, ordonne à mon cœur, ordonne à ma chair, ordonne à mon âme ce matin que je puisse marcher, que je puisse marcher contre Seigneur, gloire, paix au Dieu de gloire, les choses Seigneur que je voyez difficile, que je puisse l'enfoncer maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que je puisse avoir l'autorité, que je puisse avoir le pouvoir, l'autorité de Dieu dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans maintenant et à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors tu vas demander à Dieu ce matin un nouveau départ. Cela symbolise que je dois changer, alléluia, l'environnement. Change mon environnement. Change ma garde-robe. Change mon attitude. Change, alléluia, ma façon de se comporter dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Mon Père, alors que je me tiens à la porte du matin, alors que ce matin, Seigneur, je me présente à toi ce matin, je veux ce matin que mon environnement change. Change mon environnement. Change mon parcours ce matin. Change maintenant, oh, ma garde-robe, change maintenant ma conscience, mon esprit, change-moi ce matin comme le psalmiste dira, oh, toi qui connais mon cœur, sonde-moi et connais mon cœur, regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En d'autres termes, change ma voie, que je puisse marcher dans la voie de l'éternité, dans la voie de la supériorité, dans la voie de l'autorité, dans la voie de l'éclairage. Je te prie ce matin, mon Père. Oh Dieu, je veux que mon environnement change. Je veux que, Seigneur, mon attitude change. Que je puisse bénéficier d'un nouveau ce matin, Seigneur de gloire, d'une nouveauté dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que mon passage change, Seigneur. Que ma marche change ce matin. Mon parcours change ce matin. Mon environnement change ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Mes pensées puissent changer ce matin, par tes paroles ce matin, dans le nom de Jésus. Tu as ordonné, tu as parlé à Pierre de quitter la barque et de marcher sur l'eau. Il a changé l'environnement. Il commençait à marcher sur l'eau. Malabro satale machata. Au nom puissant de Jésus, mon Père, je prie ce matin. Je prie ce matin au Dieu, à mon frère, à ma soeur, qui puisse marcher dans la nouveauté de vie ce matin, qui puisse changer l'environnement ce matin. Que son environnement change, que sa garde-robe change, que sa mémoire change, que son savoir change dans la nouveauté des vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, mon Père, ce matin, Seigneur, nous voulons un nouveau départ, ô Dieu de gloire, dans le temps, Seigneur, gloire, paix, ô Dieu de gloire, de fiancés, dans l'état, Seigneur, de gloire, paix, ô Dieu de mariés, dans l'état, Seigneur, de gloire, paix, ô Dieu social, dans l'état, Seigneur professionnel, dans l'état, Seigneur de gloire, Père civil, au nom puissant de Jésus, un nouveau départ, Seigneur, commence ce matin, dans les noms de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Oh Père éternel, nous voici devant toi ce matin, nous voici devant toi ce matin, nous voulons sortir de la barque, nous voulons sortir de la barque ce matin, pour maintenant marcher sur l'eau, pour marcher maintenant dans une nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus, fais en sorte ce matin, la personne qui marchait dans le célibat, qui ne marche plus dans le célibat, maintenant qui marche, alléluia, dans le lien du mariage,
mariage dans le nom de Jésus. La personne qui marchait, Seigneur, sous l'emprise de l'ennemi, oh, il était toujours malade, qu'il ne soit plus sous l'emprise de l'ennemi, qu'il soit plus malade maintenant, mais qu'il soit appelé guéri, qu'il soit appelé guérison dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La personne qui était, Seigneur de gloire, dans la pauvreté, Seigneur, qu'il ne soit plus dans la pauvreté, maintenant qu'il change l'environnement qu'on appelle la richesse, qu'on appelle la richesse, que la richesse, la prospérité soit maintenant dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Un nouveau départ ce matin, un nouveau départ dans chaque vie, un nouveau départ, Seigneur de gloire, dans la vie de ton peuple ce matin. La personne qui avait, Seigneur, toujours des dettes, maintenant, Seigneur de gloire, que ces dettes soient annulées au nom puissant de Jésus, qu'il puisse bénéficier, Seigneur, d'une grâce, oh Dieu, extraordinaire, nouvelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car il est dit dans ta parole, tu as dit à Pierre de sortir de la barque, de venir vers toi, de marcher sur l'eau, de marcher sur l'eau, au nom puissant de Jésus. La personne qui n'arrivait pas à économiser, qui puisse à économiser ce matin au nom de Jésus. La personne qui vivait des pertes, maintenant qui puisse gagner, qui puisse avoir des gains, qui puisse avoir des rentabilités au nom puissant de Jésus. Donc non, dans les noms puissants de Jésus. La personne qui était, alléluia, qui était sans forme, qui puisse avoir la forme au nom puissant de Jésus. La personne qui était, Seigneur, sans équilibre, qui puisse avoir l'équilibre dans sa vie, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, selon ta parole, selon ta parole, tu as dit à Pierre, Pierre, marche maintenant, viens vers moi ce matin, viens vers moi ce matin et marche sur les eaux qui représentent les difficultés, les eaux qui représentent les mauvaises choses, les eaux qui représentent, Seigneur de gloire, Père, oh, de la souffrance, la douleur, et que, Seigneur, la personne qui vivait dans la douleur, maintenant, Seigneur, finis la douleur. Maintenant, finis la douleur. Maintenant, c'est le temps de la réjouissance dans le nom de Jésus. La personne qui marchait, Seigneur de gloire, Père, dans la tristesse, dans le malheur, maintenant, finis le temps de malheur. Finis le temps de la tristesse. Maintenant, c'est le temps de joie, le temps du bonheur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La personne qui était condamnée, Seigneur de gloire, par la maladie, je déclare maintenant qu'il soit libre maintenant, oh, par la guérison, qu'il soit libre maintenant, par la délivrance, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'un nouveau départ commence, et qu'un nouveau départ commence ce matin dans la vie d'une personne, la personne qui n'arrivait pas à sourire, la personne qui n'arrivait pas à prendre plaisir, qui puisse prendre plaisir maintenant dans tes lois, dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. La personne qui manquait, Seigneur, la foi, qui puisse avoir la foi maintenant, la foi, Seigneur de gloire, Père, c'est une démonstration de puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, ô Père éternel, la personne qui était, Seigneur de gloire, Père, la tête en bas, Seigneur, je déclare maintenant qu'il soit la tête en haut, au nom puissant de Jésus, qu'il puisse fixer le regard sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'un nouveau départ commence ce matin, Seigneur. La personne qui n'arrivait pas à concevoir, au maintenant, Seigneur, qui puisse commencer à concevoir, parce que, Seigneur, tu as ordonné. Tu as ordonné ce matin, Seigneur de gloire, que Pierre puisse venir là où tu es. Là où tu es, Seigneur de gloire, Père, tu es le chemin. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te prie ce matin, Seigneur, au Dieu de gloire, de donner, Seigneur de gloire, au Dieu, à cette maman, Seigneur, qui attend, Seigneur de gloire, Père, son mari, qui attend, Seigneur de gloire, Père, un mariage, qui veut rentrer dans le lieu du mariage. Seigneur, au Dieu, que cela se manifeste dans sa vie, dans le nom de Jésus. Qu'elle ne puisse pas avoir peur de son âge, qu'elle ne puisse pas regarder à son âge dans le nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur de gloire, Père, j'annule maintenant la peur, j'annule maintenant, Seigneur de gloire, le regard, Seigneur de gloire, Père humain, le regard,
Seigneur, les lois du monde, dans le nom de Jésus. Et que maintenant, Seigneur, qu'un nouveau regard, Seigneur de gloire, Père, s'opère dans la vie de tout un chacun, dans le nom de Jésus, Tout ce qui était difficulté, tout ce qui était difficile, je le rends maintenant possible et facile. Au nom puissant de Jésus, oh, tendre Père, mais voici ce matin, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, dans cette journée, un nouveau départ. Nous déclarons ce matin, dans ce mois d'août, un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus, un nouveau départ commence lorsque, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, tu es sorti du tombeau. Tu es sorti du tombeau plus que vainqueur. Au nom de Jésus, oh, notre vie était maintenant, Seigneur de gloire, ancrée dans l'histoire de Christ. Oh, lorsque tu as envoyé le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là l'Église était née. Un nouveau départ, pour que l'Église soit née. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de ton peuple ce matin, d'un maintenant et à jamais. Tendre Père, mais voici devant toi, Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, dans la vie, Seigneur de gloire, de tes enfants, dans la vie, Seigneur de gloire, de ton peuple ce matin, commence, Seigneur de gloire, à ramener, oh, un nouveau départ. Un nouveau départ dans la vie de Mimi. Un nouveau départ dans la vie d'Adèle. Un nouveau départ ce matin dans la vie de Thérèse. Un nouveau départ ce matin dans la vie, Seigneur de gloire, de ton peuple, au nom de Jésus, dans la vie de Stéphanie. Un nouveau départ, Seigneur de gloire, je déclare un nouveau départ ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, au Dieu de gloire, Père, la personne qui était, Seigneur de gloire, Père, au Dieu de Seigneur de gloire, Père, au Dieu de la souffrance, Seigneur, maintenant j'enlève ce manteau de la souffrance. Je le mets, le manteau, Seigneur, de la gloire, le manteau d'un nouveau départ, au nom puissant de Jésus, d'un maintenant et à jamais. Oui, tendre Père, ce matin, Seigneur, toi qui connais, toi qui sais toutes choses, petits et grands, Seigneur, oh, je te prie dans les noms de Jésus, Seigneur, tiens, Seigneur, de gloire, ton peuple dans tes bras d'amour. Je te prie ce matin, Seigneur, saisis, Seigneur de gloire, Père, l'embé, oh Dieu, dans ta main puissante, Seigneur. Dis, Seigneur de gloire, Père, qu'il y a un nouveau départ, un nouveau miroir, Seigneur de gloire, Père, c'est manifeste dans leur vie, Seigneur. Comment, Seigneur de gloire, installer le miroir, Seigneur, d'un nouveau regard, le miroir d'un nouveau regard dans la vie de ton peuple, de maintenant et à jamais. Seigneur, la personne qui manquait de la foi, la personne, Seigneur de gloire, qui était toujours dans la peur, j'enlève la peur, j'annule la peur et je mets la foi. La foi, Seigneur de gloire, c'est une démonstration de choses qu'on espère, ou de celles qu'on ne voit pas. Maléka brosata, leka machata egosia, dans le nom puissant de Jésus, je ramène la vie, Seigneur de gloire, là où les gens ont dit, Seigneur de gloire, c'est terminé, c'est fini, au nom puissant de Jésus, que la vie s'installe, la vie de Christ maintenant, dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Seigneur, oh Dieu de gloire, toi qui connais, toi qui sais, Seigneur, le cœur, Seigneur de gloire, Père, qui est, Seigneur de gloire, d'angoissé, maintenant j'annule l'angoisse dans le cœur, Seigneur de gloire, Père, au nom de Jésus, dans le cœur de Léa, Seigneur de gloire, dans le cœur, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, de la Déline, Seigneur, j'enlève, Seigneur de gloire, oh Dieu, l'amertume, j'enlève, Seigneur de gloire, Père, le blocage, Seigneur, maintenant le temps, Seigneur, de la réjouissance, le temps, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, qui puisse, Seigneur de gloire, célébrer ta gloire, célébrer tes louanges, mettre, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, la louange, Seigneur, de la victoire dans leur bouche, la louange de la victoire dans leur cœur, au nom puissant de Jésus, d'un maintenant et à jamais. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, oh, je te prie dans le nom de Jésus. Toi qui parles, Seigneur, toi qui dis dans ta parole, Seigneur, tu vas conduire les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Oh my God. Tu vas conduire, Seigneur de gloire, Père, les aveugles, Seigneur, qui sur le chemin qu'ils ignorent. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, oh Dieu, commence à conduire maintenant ton peuple. Commence à conduire ton peuple, Seigneur, sur le chemin par lequel tu as tracé. Au nom puissant de Jésus, qu'un nouveau départ, Seigneur, ça commence maintenant. Que cela soit commencé maintenant.
temps dans le nom de Jésus. C'est toi qui dis, Seigneur de gloire, Père, tu vas créer, oh alléluia, une nouvelle chose, oh, sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver, Seigneur, tu mettras un chemin dans le désert. Tu mettras, Seigneur de gloire, Père, de l'eau dans la solitude. Malabrosa, mamachete de bosia. Le fleuve d'eau puisse couler maintenant, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Bénis ton peuple ce matin. Seigneur de gloire, rends ton peuple heureux et que ton peuple soit béni de maintenant et à jamais. Dans la vie, Seigneur de gloire, de Laurence, Seigneur et Yéné. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je libère la grâce, je libère la force, je libère la faveur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, au Dieu de gloire, dans la vie d'Emmanuel, Seigneur de gloire, je déclare maintenant, Seigneur, qu'il puisse marcher, Seigneur de gloire, sans crainte, sans la peur, dans le nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais. Tendre Père, merci pour ce temps merveilleux. Alors que Seigneur, au Dieu de gloire, chacun de nous, Seigneur, va faire quoi que ce soit, Seigneur, je te prie de garder, je te prie, Seigneur, de surveiller. Je te prie, Seigneur de gloire, de ramener ton peuple, Seigneur de gloire, Père, dans ta vérité, dans ta victoire, dans le nom de Jésus. Et que dans cette journée, Seigneur, que soit, Seigneur de gloire, Père, une journée miraculeuse, une journée extraordinaire, une journée, Seigneur de gloire, Père, par laquelle, Seigneur de gloire, tu vas déverser, Seigneur de gloire, Père, l'eau, Seigneur, d'un nouveau départ. Oh, la pluie d'un nouveau départ, la richesse d'un nouveau départ, le trésor d'un nouveau départ, le diamant d'un nouveau départ, l'or d'un nouveau départ, dans le nom de Jésus. Un langage d'un nouveau départ, un témoignage d'un nouveau départ dans la vie de ton peuple. Seigneur, peu importe, Seigneur, même si je n'ai pas cité les noms, Seigneur, mais ce que je sais, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, dans cette personne, Seigneur, dans ce, Seigneur de gloire, ce troupeau, Seigneur, de ton pâturage, Seigneur, tu es en train de valider. Tu es en train de mettre, Seigneur, le sceau de la victoire dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Oh, tendre Père, merci pour ce temps. Béni soit ton nom, Seigneur. Ceux-là qui vont aller au travail, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Ceux-là, Seigneur de gloire, qui sont en cours de route pour en voyager, Seigneur. Ceux qui préparent leur voyage, ceux qui fêtent leur anniversaire. Seigneur, oh Dieu de gloire, vois tout chacun de nous, Seigneur. Et garde ton peuple fidèle à toi. Seigneur, oh Dieu, béni soit ton nom ce matin, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, j'ai ainsi prié. À celui qui peut nous préserver de toute chute, Jésus-Christ de Nazareth, vous fortifie de maintenant et à jamais, dans les noms de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à l'honneur du Tout-Puissant? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire est dans notre camp. Assurément, la victoire est dans notre camp. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours. Alléluia, ce n'est pas tous les jours. Alléluia, tous les jours n'est pas tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toujours une différence, il y a toujours une petite touche, alléluia, qui différencie. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Chaque jour, nous recevons la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'amour du Père soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais simplement savoir si vous êtes là pour la toute première fois. Mettez votre pays et mettez aussi le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Amen. Le chiffre d'un nouveau départ. Alléluia, que Christ est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse richement pour vos offrandes. Que le Seigneur puisse encore vous accorder des vases moyens, que Dieu puisse vous accorder les richesses, le trésor de sa maison, dans le nom de Jésus. Mimi, sois bénie pour ton offrande. Sarah, Dami, sois bénie pour ton offrande, dans le nom de Jésus. Qu'un nouveau départ se manifeste dans votre couple aussi, dans votre famille, pour vos enfants, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, qu'aborde ma bénie. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Une excellente journée glorieuse dans la présence de notre Yeshua HaMashiach.
soyez cabotement bénis. Si vous êtes là pour la toute première fois, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne et Dieu vous bénira abondamment. Ne partez pas ainsi. Mettez un petit pouce pour dire que non, je me joins dans cette prière. Que le Seigneur puisse vous donner un nouveau départ matin, midi et soir. Pourquoi pas pour tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bon, voilà, nous sommes le jeudi aujourd'hui et que nous allons nous préparer déjà vers le midi, afin que nous puissions rentrer dans la prière de préparation pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez cabonnement bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Joséphine soit bénie. Micheline soit bénie. Maman Kadi soit bénie ce matin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Allez, à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Si Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute langue confesse au nom de Jésus, que Jésus-Christ au nom de est Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Nous sommes sauvés. Ah oui, nous sommes sauvés. Son sang versé. Alléluia. Son sang versé nous a rachetés. Jésus, la maladie est aplanie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les démons sont terrassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous retrouvons le sourire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Au nom de qui? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les condamnations sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous sommes réellement libres. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.